les gens, j'espère que vous allez bien, c'est comme votre retour aujourd'hui autour de la vidéo. Et aujourd'hui les gens, je suis avec mon pote Nico, le lien de sa chaîne est en description. On va faire un putain de shooting photo. Alors je sais pas trop où on va, on verra bien. On a trouvé 2-3 petits endroits sympas pour faire des photos. Je vous mets ça en vidéo, c'est parti. Bonne vidéo, ride safe, peace. Tu ne t'en vas pas, la vidéo n'est pas terminée. Je voulais simplement aussi vous rappeler que demain, donc le dimanche 27 août 2017, il y a la rencontre abonnée. Et j'insiste sur le mot rencontre, il n'y a pas de balade organisée. C'est vraiment juste une rencontre normale. Donc voilà, toutes les informations sont dans la description. N'hésitez pas à les checker, je passe à Bruxelles et à Namur. Allez voir dans la description, il y a aussi la chaîne de mon pote Nicolas qui a fait les photos. Donc encore merci à lui. Et évidemment, toutes les informations pour la rencontre abonnée de demain, donc le dimanche 27 août, Bruxelles et Namur, tout est en description. Alors il y a aussi une chose sur laquelle je voulais vous parler, c'est par rapport au putaclic. Alors je voulais pas en faire une vidéo spéciale parce que là pour le coup ça aurait été vraiment putaclic, mais simplement d'en parler voilà dans une vidéo, et ici c'est l'occasion, c'est le moment, parce que la vidéo sur le shooting photo est très courte, vu que je voulais vraiment vous montrer les plus belles photos, celles que moi je préfère. Et alors tout le reste, je vous le montrerai sur ma page Facebook. Aussi, le lien est dans la description, donc n'hésitez pas à aller checker. Pourquoi je voulais parler du putaclic? Parce que c'est très présent sur YouTube et tout le monde le voit comme du mal. Et c'est pas réellement mauvais, parce que, allez, chacun a le droit de faire comme il le souhaite. Si t'as envie de faire que du putaclic, genre à la Thibaut InShape, y a pas de sushi, tu vois, je veux dire, tu peux faire tout ce que tu veux, t'as le droit, y a absolument aucune règle là-dessus. C'est pas dans les conditions générales de YouTube, il est marqué pas de putaclic, tu vois ce que je veux dire. Là où je voulais vraiment avoir votre avis, que vous me donniez la définition pour vous de ce qu'est une vidéo putaclic. Je vais vous donner la mienne, évidemment, mais j'aimerais bien aussi avoir votre avis, c'est un peu le but. Alors moi, ce que je pense que c'est le putaclic, c'est qu'il faut déjà dissocier putaclic et accrocheur. Quelque chose qui est putaclic, pour moi, c'est un titre et une miniature qui ne reflète pas, qui ne représente pas le contenu réel de la vidéo. Je m'explique. Si, par exemple, tu es dans un rond-point, il y a un mec qui te coupe la priorité, tu lèves le bras genre en mode t'es énervé, lui te fait un fuck, mais il part dans un sens, toi tu pars dans l'autre, il n'y a pas eu agression verbale, vous vous êtes pas parlé, enfin bref. T'étais juste énervé, tu fais 2-3 commentaires en disant c'est un con, c'est un connard, machin, et c'est tout. Et que dans ton titre et dans ta miniature, tu mets road rage, accident, ça tourne mal, machin. Ça c'est putaclic, parce que ça ne reflète pas le contenu réel de la vidéo. En revanche, pour la même situation, ce qui pourrait être accrocheur, attention, accrocheur ne veut pas dire putaclic pour moi, c'est que tu mets refus de priorité, un gros bâtard. Voilà, par exemple, j'invente, hein. Pourquoi il fait une photo d'un panneau? Oh calme le mec! Le mec il fait une photo. Oh tiens, c'est joli un panneau, tiens, c'est joli, tout bleu, avec une petite flèche vers la droite. Ouh, ouh, je ne me sens plus. Revenons à nos moutons, comme on dit. Pour la même situation, tu pourrais mettre un titre qui est accrocheur mais qui n'est pas putaclic. Ce qui veut dire que tu mettrais par exemple refus de priorité, un gros bâtard ou un fou de la route. Voilà. Ça, ce n'est pas putaclic, c'est simplement accrocheur. D'accord? Et il faut vraiment dissocier les deux parce que c'est vraiment pas la même chose. Je fais comme la plupart des youtubeurs, comme la plupart des vidéastes. On prend toujours en fait le meilleur de notre vidéo, c'est logique. Quand on fait une vidéo, quand on passe 10-15 heures de montage dessus, on a envie qu'elle soit vue le plus possible. Et ça c'est valable
pour tout le monde. Tu peux avoir 100 abonnés comme 1 million. T'as envie que ta vidéo, elle soit vue au maximum, qu'elle soit partagée, que les gens te donnent leur avis, qu'ils mettent un like, qu'ils mettent un dislike. S'ils mettent un dislike, ils expliquent pourquoi, parce que c'est un peu ça le but aussi du dislike, c'est que vous mettiez pourquoi vous n'avez pas aimé. Si tu mets juste un pouce rouge et que tu te casses, ça sert à rien, c'est que t'es juste un rageux. Et donc c'est sûr qu'on va prendre le meilleur de la vidéo. Maintenant c'est clair que si je mets un titre genre j'ai mangé des kiwis, j'ai été à la fête à la saucisse et je nettoie ma moto, tout le monde s'en tape, d'accord, on est bien d'accord là-dessus. Donc voilà, il faut toujours tirer le meilleur de sa vidéo, tout le monde le fera. Sur ce, j'aimerais bien que vous me donniez votre avis dans les commentaires, dans le respect s'il vous plaît de tous, ce serait sympa. J'espère que la petite présentation, malgré qu'elle ait été courte, vous ait plu. J'ai bien kiffé faire ce petit shooting photo qui était à la fois sérieux dans le sens où il fallait poser tout ça, tu vois, et décalé dans le sens où on a tapé un costume Pikachu et on a déconné comme pas possible. Sur ce les gens, c'était Carbon23, ride safe, peace.